C'est pour poursuivre ce type d'accompagnement auprès de 2000 malades que la Ligue contre le cancer a besoin d'argent. 1 million d'euros par an pour des actions dans le département, dont à peine 10% d'aide publique, d'où l'idée d'un gala gastronomique caritatif pour récolter des fonds. On n'a rien inventé. La Croix-Rouge organise depuis de nombreuses années un gala sur Paris. On s'est inspiré complètement de cette action. On a voulu allier l'aspect ludique, convivial et l'action solidaire. Et c'est l'heure des derniers préparatifs avant le gala de vendredi au Casino de Biarritz. 4 chefs étoilés ont répondu à l'appel de la Ligue. Après, tu auras donc le pâté en croûte, voilà. Bah, oui. Merlu qui pourra d'un. Il faut nous la trouver, c'est ce que je te dis, 25 kilos. Du merlu sauce basquez, un filet de bœuf au girole, un menu prestigieux concocté bénévolement par de grandes toques et grâce à une longue chaîne de solidarité. On a essayé de trouver les produits du Pays Basque et grâce à nos producteurs locaux qui nous ont gracieusement offert ces produits avec qui nous travaillons toute l'année. On a pu proposer ce repas. Ça sera un pâté en croûte avec vraiment des produits d'ici. C'est le cochon de chez Oteiza. On va retrouver un peu toutes les parties du cochon, le cochon de la tête aux pieds, et avec un cœur de foie gras des Landes. C'est une cause qui nous touche. C'est vrai qu'on a eu aussi notre papa qui a été touché par un cancer. Donc ça nous tenait à cœur, moi et mon frère et la famille, de participer à cet événement. Le menu est à 80 euros. Les réservations sont encore possibles auprès de la Ligue et sur Internet.